Ok, Saint-Bernard, pont d'Austerlitz, métro d'Austerlitz. Mars 2024. La crue de la Seine au plus fort le 6 mars 2024 à Paris, environ 4 mètres. Ah! J'aperçois un cormoran. Derrière, c'est la gare d'Austerlitz. La crue de la Seine en 1910. Le niveau de 1910. Le niveau de 1910 environ 6 mètres. Austerlitz. Une image de Louise Michel, la commune de Paris 1871. J'adore ce personnage, j'adore Louise Michel. La force du courant le 6 mars 2024. Le pont d'Austerlitz.
droite, c'est la gare d'Austerlitz. Et là-bas, c'est le pont d'Austerlitz, quai Saint-Bernard. Attention aux chiens. Le métro aérien. Viaduc d'Austerlitz. Révolution permanente. Souvenir des roses et des épines. Passage du métro de Paris. Ah, l'autre côté, Louisiane.
les bateaux de Paris et Louisiane. Juste à côté de la gare d'Austerlitz, on a l'impression que la Seine va bientôt déborder. Ah, il y a un cormoran. C'est le même, mais... Viaduc d'Austerlitz.
Et là, c'est la gare d'Austerlitz. Off. La péniche off. Elegancia Hotel. Off Paris Seine. Hôtel Austerlitz. Ça, c'est un hôtel, une péniche. Hôtel Austerlitz sur une péniche. Là-bas, c'est la gare de Lyon. De la Seine à Paris, le 6 mai 2024. Et là-bas, c'est la compagnie de la mode et du design. Là-bas, c'est les bureaux du journal Le Monde ou l'Obs ou les deux.
le 6 mars 2024. C'est la plus forte crue de la Seine. La gare d'Austerlitz et le viaduc d'Austerlitz.
le canard qui remonte le courant. Ah, et là il se laisse aller.